Bonjour à tous, c'est DJ Giluc. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter un moteur de recherche qui est né en 2008, hein, donc qui n'est pas très très vieux, contrairement à Google, et qui s'appelle DuckDuckGo. Alors, je sais que la plupart d'entre vous ont déjà un moteur de recherche préféré, hein, souvent c'est Google. Ce qu'il faut savoir sur Google, c'est que ça va tracer toutes vos données personnelles, toutes vos recherches, et ceci à des fins commerciales et personnelles. Donc, DuckDuckGo, c'est quoi ? DuckDuckGo, c'est ce petit moteur de recherche. Voilà, je trouve que l'apparence est très très sympa. La première chose que vous allez voir quand vous allez ouvrir DuckDuckGo, c'est voilà, c'est le moteur de recherche qui ne vous espionne pas. Donc, et pour savoir, pour vous montrer que ça ne vous espionne pas, on va taper, je ne sais pas, YouTube par exemple. Voilà, quand vous arrivez sur cette page-là, donc ça c'est la page où il y a les recherches. Ici vous avez les images, les vidéos, hein, comme Google, pardon. Et ici vous avez un petit onglet qui est décoché d'origine, hein, et ça c'est la localisation. À savoir que donc DuckDuckGo ne vous localise pas. Si après vous voulez être localisé, il suffit juste de cliquer ici, et voilà, vous serez localisé. Hein. Hop, on va le décocher. Alors ici, ça vous met aussi « nous ne vous pistons pas hein, », bien évidemment. Alors l'allure de DuckDuckGo, moi je trouve très sympa. On peut le personnaliser grâce à des thèmes. Voilà, donc vous avez un autre thème ici. C'est vraiment très très bien. Ce que vous avez aussi dans DuckDuckGo, si vous ne voulez pas de publicité, vous irez, on va revenir ici. Voilà, ici, paramètres avancés. Paramètres avancés, vous descendez. Si vous ne voulez pas de publicité, voilà, hein, vous ferez désactiver et là vous n'aurez plus aucune publicité dans DuckDuckGo. Donc c'est vraiment très très bien. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur DuckDuckGo? Oui, alors pour vous montrer que DuckDuckGo ne vous espionne pas, si je vais par exemple sur ma chaîne, voilà, donc voilà, vous êtes, donc ma chaîne est ici, hein, bien sûr, et là vous avez quelques vidéos que j'ai fait. Si vous cliquez pour voir une de ces vidéos à partir de DuckDuckGo, voilà, ça vous met, attention, alerte de confidentialité YouTube. YouTube, bien sûr, est la propriété de Google, ne vous autorise pas à regarder des vidéos de manière anonyme. Par conséquent, regarder des vidéos YouTube sera ici pisté par Google. Hein. Donc, si vous voulez regarder sur YouTube, ici, mais à savoir que Google pourra savoir ce que vous faites, et si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours regarder ici, si on fait ça, vous la regardez ici, mais c'est pas par l'intermédiaire de YouTube. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je tenais vraiment à vous présenter ce petit logiciel qui, pour moi, mérite d'être connu. Donc, n'hésitez pas à faire connaître autour de vous DuckDuckGo. Moi, je pense que c'est un moteur de recherche qui va grandir de plus en plus et qui est très, très, très sympa. Donc, je vous mettrai le lien pour accéder à DuckDuckGo dans la description. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, bye bye !